Sexo Max. Hello tout le monde, salut Pénis. Les conseils sexuels de Calmos. Au fait, ce qui est important, c'est le plaisir. Avec Sexo Max. C'était un magnifique pantalon pris en réduction dans la vitrine de Benetton. Je dis c'est celui que je veux. Manticule bien moulé, délicieux. Si je veux. Manticule bien moulé, délicieux. La vendeuse dit qu'il y a pas ma taille, c'est qu'un petit futal. Mais moi mes fesses ne rêvent que de lui. Je dis c'est celui que je veux. Mon petit cul, bien moulé, délicieux. Ah. Pourtant les gens m'avaient dit attention aux petits pence, ils peuvent te couper la circule. Et maman m'a toujours dit serre pas trop tes roupettes, elles ont besoin de respirer. Mais je n'ai rien écouté. Et maintenant mon mini jean me casse les couilles. J'ai très très peur qu'il me stérilise les noix. Et qu'un enfant soit pas de moi. Qu'il me stérilise les noix. Et qu'un enfant soit pas de moi. D'un coup je réalise qu'on est lundi, la fête du zizi. Je vais contacter mon meilleur ami. Il est sensuel. J'ai besoin d'un conseil sexuel. Je prends mon stylo et j'y écris ces quelques mots. Guéris mes couilles, fais-en une meilleure place pour toi et pour moi et pour le futur petit Jonas. Y'a mes bébés qui me. Si t'aimes bien ce chaos, mes adducteurs. Fais-en une meilleure place pour toi et pour moi. Guéris mes couilles. Fais-en une meilleure place pour toi et pour moi et pour le futur petit Jonas. Y'a mes bébés qui meurent. Si t'aimes bien ce chaos, mes adducteurs. Fais-en une meilleure place pour toi et pour moi. Toi et pour moi. Cher Sexo Max, oh. J'ai matché sur Tinder avec un dénommé Pasqualito. J'ai craqué parce qu'il y avait une belle photo de lui sur un voilier qui m'a donné un beau sentiment de liberté. On a parlé d'amour et de chevaux pendant 2 semaines. C'était pire. J'étais monstre amoureuse et à la seconde où je lui file mon hum, pif, il me voit un gif de sa queue. Oh, qu'entend-il par là? Et bien sûr, que ça faire? Signé Poulette. Ciao Poulette. Ça va Poulette? Moi. Je comprends bien ton problème Poulette. Recevoir un cliché de nouilles en contre-plongée, même s'il est réalisé par Henri Cartier-Bresson, c'est jamais agréable quand on n'a rien demandé. C'est un peu comme quand vous jouez à cache-cache. Vous croyez qu'il y a un de vos top 1 qui est caché dans le placard. Vous ouvrez le placard et c'est pas votre top 1. C'est une immense bite. T'as déjà eu? Oui, bien sûr. Pourtant, le fait d'immortaliser son zifolo et de l'envoyer à qui de pas droit et de pas envie est une pratique largement répandue chez les messieurs des années 2000. Et je vous propose de découvrir pourquoi dès aujourd'hui, vrai. Okay. Très bien, Sexo. Et alors, vrai, okay. On t'écoute. Qu'est-ce que c'est que cette pratique étrange, alors? Alors, cette pratique étrange, comme tu dis, s'appelle le dick pic. De l'anglais dick, Richard, et pic, qui est une abréviation de picture, l'image, la dick pic. Et donc, si vous voulez, une représentation picturale de votre Richie Rich, qui est beaucoup associé de nos jours à la technologie, mais qui fait pourtant le bonheur des petits et grands garçons depuis bien avant l'invention du bigophone. Oui. Les Grecs eux-mêmes avaient déjà
pour habitude de griffonner des esquisses de leur souvlakik au hasard d'un mur et de rire en le faisant. Pratique qui se retrouve d'ailleurs chez environ un écolier sur un de nos jours et qui dispose encore aujourd'hui d'un potentiel comique absolument ahurissant, comme en témoigne cet exemple. Regarde, j'ai dessiné une queue. Ha ha ha, c'est drôle. C'est pourtant effectivement avec l'arrivée des téléphones que la dick pic est devenue tendance. Drôle de tendance quand même. Hein. Alors drôle, façon de parler, ça dépend de quel côté du téléphone on se trouve. Mais en tout cas, c'est pas rare. Les historiens de l'art iolique ont en effet mené une petite enquête l'année dernière qui montrait que 53% des femmes interrogées avaient déjà reçu un joli instantané de poutre apparente et que 47% des bonhommes avouaient avoir déjà tiré le portrait de leur kiwi pour l'envoyer à autrui. Maintenant, il faut évidemment faire la diff entre une petite diapo de Zob envoyée de manière complice à une personne consentante et un poster A3 de baleineau en vacances au Cap d'Agde à une inconnue. Ce qui est visiblement le problème de Poulette. Bah oui, salut Poulette. Justement, ça vient d'où cette espèce de croyance que ça va faire plaisir à quelqu'un qu'on connaît pas ou peu de recevoir ça? Ouais, bah déjà, il faut savoir que les messieurs ont de tout temps été fascinés par leur junk et peu que ça fascine tout également le sexe opposé. Hein, ça, c'est une constante historique. Mais plus précisément, une étude de The Journal of Sex Research, littéralement le journal de la recherche du cul, a montré que de la tête de ces hommes qui aiment bien documenter leurs zizi et en envoyer le montage final à des miss, il y a un véritable esprit un peu naïf de transactionner de la baise. Hein. Je te vois ce somptueux cadeau et en retour, tu vas certainement m'envoyer toi aussi des photographies, des radios de ton col de l'utérus et des goodies. Une sorte de projection de fantasmes d'intérêt pour la bisole, doublée de pulsions exhibitionnistes bien malsaines qui font au final rarement mouche et qui permettent de déboucher sur ce conseil avisé pour Pasqualito et les autres de son genre. Ne le faites pas. Ne le faites pas, c'est un bon conseil sexo et on espère que qu'il engagera salut Poulette, Poulette, à se diriger vers un autre match Tinder que celui-ci et puis nous, on te dit à bientôt pour un nouveau conseil sexuel. Ne le faites vraiment pas.